Nous sommes très heureux de vous présenter ce webinaire aujourd'hui. Ce webinaire s'inscrit dans une série de webinaires organisés conjointement par l'Alliance pour la prévention des maladies chroniques au Canada et le Centre de prévention et de contrôle des maladies chroniques de l'Agence de la santé publique du Canada. Je m'appelle Bill Callery, je suis gestionnaire de programme et de l'échange des connaissances à l'Alliance. Et pour en apprendre plus sur l'Alliance, vous trouverez notre adresse Internet et nos coordonnées de médias sociaux au bas de la diapositive. Donc, au nom de l'Alliance et nos partenaires responsables de ce webinaire à l'Agence de la santé publique du Canada et la Direction régionale de santé publique de Montréal, je vous souhaite la plus chaleureuse des bienvenues et vous remercie d'être avec nous aujourd'hui. Je vous présenterai Brigitte Bélanger, la modérateur de la webinaire. Brigitte travaille à l'Agence de la santé publique du Canada dans le domaine des subventions et contributions sur le programme des partenariats pluri-secteurs. Et maintenant, je suis heureux de vous présenter Brigitte Bélanger, la modérateur de la webinaire. Brigitte travaille à l'Agence de la santé publique du Canada dans le domaine des subventions et contributions sur le programme des partenariats pluri-sectoriels pour promouvoir les modes de vie sains et prévenir les maladies chroniques. Brigitte était l'analyste responsable du projet présenté aujourd'hui sur le dépistage du cancer du sein. Alors, merci et à vous, Brigitte. Alors, merci beaucoup, Bill. Alors, bonjour tout le monde et tous les gens qui sont parmi nous cet après-midi. Ça fait plaisir de vous voir en si grand nombre. Alors, j'aimerais sans tarder vous présenter Mireille Gaudreau, Nathalie Dubois et Anne Landry, vos conférencières aujourd'hui. Cela a été un réel plaisir de travailler avec elles durant les trois dernières années sur le projet « Je suis invitée et toi ». Elles ont démontré un dévouement sans égal et c'est avec passion qu'elles ont entrepris la réalisation d'un projet de haute qualité. Alors, leur présentation se promet fort intéressante. Mireille, Nathalie et Anne proviennent de la Direction régionale de la santé publique de Montréal, qui fait partie du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre Sud de Montréal. Le Centre intégré regroupe 10 installations de santé et de services sociaux et a la responsabilité d'assurer la prestation de soins et services à la population. Le Programme québécois de dépistage du cancer du sein est un mandat régional qui est confié à la Direction de la santé publique pour l'ensemble du territoire montréalais. Donc, Mireille Gaudreau est la coordonnatrice par intérim du secteur développement des individus et milieux de vie sains et sécuritaires et chef par intérim du secteur santé des adultes et des aînés. Mireille a agi comme coordonnatrice de la mise en œuvre du projet. Nathalie Dubois est chercheuse dans le domaine de l'évaluation des politiques et des programmes de santé, renforcement des capacités d'évaluation, l'évaluation de programmes complexes et l'utilisation des résultats. Nathalie a mené avec une équipe les travaux reliés à l'évaluation du projet. Et Anne Landry est agente de planification, programmation et de recherche. Elle a été responsable régionale de la promotion du programme québécois de dépistage du cancer du sein de Montréal. Elle était également responsable du volet réseau multiplicateur dans le cadre du projet. Alors, sans plus tarder, je laisse la parole à Anne Landry qui va débuter la présentation aujourd'hui. Merci. Donc, bonjour, Anne. Donc, je vais juste un petit peu commencer par vous expliquer le déroulement. Donc, je présenterai la première portion sur le projet, les publics cibles et les objectifs de notre projet. Ensuite, je vais faire un aperçu des activités qu'on a réalisées donc dans les trois volets au cours des trois années. Je vais céder la parole ensuite à Nathalie qui va faire les résultats donc de l'évaluation et Mireille qui va nous entretenir en fait sur les apprentissages globaux donc de notre projet. Il y aura une période de questions et d'échanges par la suite. Donc, juste pour mettre un petit peu la table, pour ceux qui connaissent un peu moins le programme québécois de dépistage du cancer du sein.
Donc, c'est le PQDTS, communément appelé, est un programme du ministère de la Santé qui existe depuis 1998 au Québec. C'est un programme de dépistage systématique. L'objectif du programme est de réduire le taux de mortalité causé par le cancer du sein. Le projet, donc, s'est inscrit dans le programme qui existait déjà, mais on s'était rendu compte qu'on ne rejoignait pas nécessairement tout le public qui était souhaité au Québec. Malgré que toutes les femmes de 50 à 69 ans sont invitées à passer une mammographie de dépistage donc tous les deux ans, qu'elles reçoivent une lettre qui est en fait une prescription médicale envoyée par le directeur de santé publique et que cette lettre leur permet de prendre rendez-vous dans le centre de dépistage de leur choix pour y passer leur mammographie. Donc, juste pour mettre un peu sur la table le contexte du projet, à Montréal, on avait effectué une tournée de nos organismes, de nos partenaires pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passait parce qu'on avait un taux de participation qui était en dessous de la moyenne québécoise, en fait. Et les constats qui sont ressortis de cette tournée-là, c'est que les femmes qui participaient le moins, donc étaient surtout issues des communautés ethnoculturelles, c'était surtout des femmes qui étaient isolées, défavorisées, avec un très faible niveau de littératie. Et souvent, c'était les femmes les plus âgées. Donc, les barrières qui freinaient la participation étaient, entre autres, la méconnaissance du programme et de ses avantages, la difficulté de compréhension des outils qui leur étaient envoyés, donc soit la lettre ou le dépliant qui accompagnait la lettre. Évidemment, il y avait tout ce qui était la peur et la mauvaise expérience de soins. Donc, si elles avaient été mal reçues une première fois lors d'un examen de mammographie, elles n'y retournaient pas. Et la difficulté d'avoir accès à des personnes crédibles pour valider l'information à cause, entre autres, de la pénurie des médecins qu'on vivait à Montréal. On ne voit pas à l'écran, mais dans une seconde, on devrait voir apparaître une carte qui démontre vraiment, en fait, les taux de participation qui étaient très variés à Montréal pour différentes raisons. Il y avait des quartiers qui participaient plus ou moins. Et on s'est attardé, entre autres, à certains quartiers qui vraiment avaient un taux de participation très, très faible. Juste pour vous donner un exemple, le quartier dans le territoire de la Montagne, qui est un peu au centre de la carte, on voyait 38,5% de participation. Il y avait un petit quartier, surtout de femmes originaires d'Asie méridionale, qui participaient qu'à 24%. Donc, ça signifiait qu'une femme sur quatre seulement allait faire sa mammographie à Montréal. Quand on regardait la carte suivante, qui était les barrières communes à la non-participation, donc on voyait vraiment qu'il y avait des territoires qui étaient encore moins desservis avec tous les critères socio-économiques que j'ai décrits tout à l'heure. Et donc, c'est à partir de ça qu'on a pu identifier les publics cibles qu'on voulait avec lesquels on voulait travailler dans le projet. Les deux principales barrières qui étaient communes à toute l'île de Montréal étaient premièrement la littératie qui était très, très faible. Ça pouvait être lié à différents facteurs, dont l'immigration récente, mais la pauvreté également et le niveau d'éducation ou le fait qu'on ne parle pas le français ou l'anglais. Et évidemment, il y avait le deuxième point qui était toute la barrière de langue et la barrière culturelle, c'est-à-dire que nos messages de santé publique liés à la mammographie reflétaient pas certaines représentations culturelles. Donc, c'était très complexe pour nous d'identifier des communautés, mais je pense qu'on y est bien arrivé. Donc, avec à la fois les professionnels de la santé et les leaders de nos organismes communautaires, on a pu identifier quatre communautés avec lesquelles on a décidé de travailler plus particulièrement. Donc, si on passe directement au projet, je suis invitée. Toi, je suis à la diapo 10, là, pour ceux qui suivent en anglais et qui sont obligés de 13, pardon. Donc, pour ceux qui sont obligés de changer leur diapo. Donc, le projet « Je suis invitée et toi », on a fait le dépôt de la demande initiale en juin 2011 et le projet a commencé en septembre 2012. Donc, évidemment, l'organisme subventionnaire était l'Agence de santé publique du Canada. L'objectif du projet était vraiment de réduire les inégalités de santé dans le cadre du programme de dépistage du cancer du sein parce que, comme vous l'avez vu, les taux de participation variaient vraiment d'un quartier à l'autre sur l'île de Montréal. Donc, ce qu'on voulait, c'était agir sur les barrières qui étaient liées au faible taux de participation des femmes, qui présentaient donc un faible niveau de littératie à Montréal. Les publics qu'on avait ciblés étaient entre autres les femmes plus âgées, les femmes qui ne parlaient ni anglais ou français, les femmes plus défavorisées au niveau socio-économique et scolarisées.
scolarisées, pardon, et les femmes qui provenaient de quatre communautés ethnoculturelles, donc la communauté haïtienne, arabophone, chinoise et d'Asie méridionale. Pourquoi ces quatre communautés-là? Un, parce qu'elles étaient les plus importantes communautés d'immigration récente à Montréal chez les femmes âgées de 50 à 69 ans. Et elles résidaient sur des territoires où, justement, le taux de participation était faible. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, entre autres, le taux de participation plus faible du territoire qui était de 24 % était surtout habité par des femmes d'Asie méridionale, donc Pakistan, Afghanistan, Sri Lanka et l'Inde. Donc, c'est pour ça qu'on avait fait, elles faisaient l'objet d'une attention particulière, hein, parce qu'elles étaient aussi isolées au niveau montréalais. Donc, le projet était un projet multistratégique. On s'était basé sur la revue systématique qui avait été faite au niveau des interventions efficaces. Donc, on voulait absolument qu'il y ait plusieurs volets au projet. On ne voulait pas en avoir qu'un seul. On pensait qu'en mettant ensemble les différentes stratégies, on pouvait arriver à une meilleure participation des femmes. Donc, le premier volet est un volet campagne de marketing social. Donc, un peu revoir l'image qu'on avait du programme au niveau montréalais. Le deuxième volet est une relance écrite avec des rappels ciblés. Je vais les expliquer un petit peu plus loin là, dans la présentation en détail. Et le volet 3 était de soutenir donc un réseau multiplicateur avec l'aide de ce qu'on appelait les marraines. Et évidemment, autour de ça était l'équipe d'évaluation qui avait la lourde tâche d'évaluer toutes nos actions sur le terrain. Donc, la campagne de marketing social était basée sur trois axes, en fait, communication, qui étaient comprendre, agir et soutenir. Donc, on voulait, un, que les femmes comprennent l'information qui leur était envoyée. Donc, il a fallu simplifier et adapter nos messages de promotion de dépistage du cancer du sein et de mammographie à notre public. Ce qu'on voulait ensuite, c'est qu'elles puissent agir. Donc, on voulait permettre aux femmes d'agir facilement, c'est-à-dire de prendre un rendez-vous, de savoir où chercher l'information et de pouvoir se rendre facilement à l'endroit pour faire la mammographie. On voulait qu'elles le fassent en étant soutenues. Donc, on voulait pouvoir leur offrir des ressources dans leur prise de décision. Donc, vous le verrez, des lignes téléphoniques et puis des organismes communautaires qui étaient là aussi en soutien aux femmes. Et on voulait donc, évidemment, les outiller, donc, des outils qui étaient adaptés, qui étaient traduits pour mieux les rejoindre. Donc, on est à la diapo 18. On s'était réunis, évidemment, l'équipe avec tous nos partenaires aussi pour identifier les messages clés, ce qu'on voulait vraiment qu'ils ressortent de notre projet. C'était, un, que la lettre d'invitation était une prescription médicale et que c'était le médecin de santé publique qui la signait. C'était pas une simple lettre qui était envoyée, elles n'avaient pas besoin d'aller chez leur médecin. Ce qu'elles recevaient par la poste, c'était vraiment une prescription. On voulait aussi leur dire que les cliniques de radiologie avec lesquelles le programme était affilié, c'était des cliniques de qualité, et donc la qualité des services qu'elles offraient était reconnue au niveau du ministère. Il y avait beaucoup de femmes, en fait, qui même ne savaient pas que la mammographie dépistage était offerte gratuitement au Québec, évidemment à ceux qui ont la carte de RAMQ, mais bon, il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas que c'était gratuit, donc ça pouvait être une barrière en pensant qu'on allait devoir payer l'examen. Évidemment, le message clé au niveau médical, c'était de leur dire que la mammographie de dépistage était la méthode la plus efficace pour trouver un cancer au tout début et avoir plus de chances de s'en sortir. Que le résultat des mammographies était acheminé aux médecins de famille. Il y avait des femmes qui étaient inquiètes de savoir si finalement elles perdaient, en guillemets, le lien avec leur médecin, mais pas du tout. Le programme est fait de telle sorte que leur médecin continue à les suivre quand ils ont le résultat. Et donc, de leur dire aussi que l'examen de dépistage s'effectuait quand il n'y avait pas de problème au sein, parce que souvent, ce qui revenait quand on faisait des conférences ou des ateliers avec les femmes, c'est que j'ai pas de problème au sein, j'ai pas de symptômes, donc j'ai pas besoin d'aller faire la mammographie. Donc, on voulait un peu démystifier tous ces tabous-là que les femmes avaient. Et un autre que j'ajoute qu'on n'a pas mis, mais qui était très important au niveau des femmes multiculturelles, c'était de leur dire que toutes les radiologistes qui faisaient l'examen de mammographie étaient des femmes, parce que parfois ça les inquiétait de se dire on va être face à un homme, mais bon, on les rassurait en leur disant que toutes les techniciennes au Québec étaient des femmes. Je vais vous montrer l'exemple, donc voici la lettre qui a été retravaillée dans le cadre du projet. Donc on le voit, on a essayé de la faire d'une manière très visuelle où on voyait vraiment une prescription médicale. Donc au premier coup d'œil, même une femme qui avait un faible taux de littératie, qui ne lisait pas ou qui comprenait pas le français, pouvait visuellement identifier que c'était une prescription médicale qui lui était envoyée par la poste. Et au verso, la lettre a aussi été changée. Avant, en fait, il n'y avait rien. Donc on a ajouté des pictogrammes avec des textes
je dirais traduit en littératie, parce qu'en fait, on voulait vraiment que ce soit des mots simples et clairs, donc avec une image qui leur permette de comprendre les différentes étapes pour arriver à avoir leur accès à leur examen de mammographie à Montréal. Et évidemment, on leur a fait d'une autre façon pour simplifier les termes, simplifier, illustrer la trajectoire des femmes. Donc, tout ça a été passé en focus group, à la fois chez des femmes de faible littératie francophone, anglophone, et chez des femmes multi-ethniques. Et ce qui avait été vraiment retenu, c'était qu'il fallait des images qui étaient un peu neutres, avec des couleurs apaisantes, des informations minimales, en fait, pour comprendre ce qu'elle devait faire. Donc, on est à la diapo 22. Donc, comme vous le voyez, c'est tous les outils qui ont été révisés grâce au projet. Entre autres, la liste aussi, parce qu'on leur envoie par la poste une liste avec toutes les cliniques où elles doivent aller. Donc, on verra plus loin aussi les différentes affiches qui ont été, je ne sais pas comment dire, mais avec des images, en fait, des communautés ethnoculturelles adaptées. Donc, ce n'était pas, en fait, que la dame québécoise qui se retrouvait sur nos outils, mais on a vraiment fait un effort de mettre en avant, en fait, les femmes des communautés ethnoculturelles. Le site web a également été revu. Donc, il y a deux volets à notre site web. Le premier était pour le grand public, donc toutes les femmes montréalaises de 50 à 69 ans qui étaient susceptibles d'utiliser le site. Et on a fait une section plus particulière pour aider les professionnels de la santé qui étaient impliqués dans la promotion du PQDCS, ainsi que nos organismes partenaires. Donc, le site web a été traduit dans 5 langues, le français et l'anglais, plus 5 langues du projet, donc le créole, le punjabi, l'ourdou, le mandarin et l'arabe. Donc, tout en haut, on voit un onglet. Les femmes pouvaient changer, quand elles vont sur le site web, changer la langue de leur choix. Le bandeau a été adapté aussi pour qu'on puisse voir les communautés ethnoculturelles. Il y a des vidéos qui ont été faites par un organisme communautaire partenaire avec le projet, le Centre des femmes de Saint-Laurent, et la vidéo aussi dans les différentes langues du projet. Quand on cliquait sur la langue de notre choix, apparaissait également, là c'est le numéro régional qui apparaît en anglais ou en français, mais apparaissait le numéro des lignes multilingues, parce que chacun des organismes avait également des lignes où on pouvait répondre aux femmes dans leur langue. Et un outil, un géolocalisateur, donc pour les aider avec un code postal à trouver la clinique qui était la plus près de chez eux. Donc, tout ça, c'est les aspects qu'on a fait différemment donc du site web, c'est au projet. Ensuite de ça, le deuxième volet du projet, je fais la diapo 25, pardon. Donc, était la relance écrite et le rappel ciblé, parce que il y avait environ 68 000 femmes à Montréal qu'on appelait, qui étaient non répondantes, à qui on avait envoyé des lettres, mais qui n'avaient pas passé de mammographie. Donc, on s'est associé avec la Société canadienne du cancer, entre autres, où on a renvoyé, nous, ici, à l'interne, des lettres à ces 68 000 femmes-là. Et la Société canadienne prenait un échantillon de femmes de certains territoires où on était reconnu un faible niveau de littératie et faisait un appel téléphonique pour leur poser quelques questions et leur demander s'ils avaient besoin de soutien dans la décision d'aller passer leur mammographie. Donc, ce rappel-là avait lieu environ 3 semaines après la réception de la lettre. Donc, le troisième volet était le volet réseau multiplicateur, en fait. Ce qu'on voulait faire via ce réseau-là, c'était de rejoindre les femmes où elles étaient avec des interventions adaptées pour répondre à leurs besoins. Donc, de leur fournir de l'information qui était simplifiée et traduite en différentes langues et de créer, donc, ce réseau-là à l'aide de personnes qui étaient crédibles pour la communauté avec une sensibilité culturelle et linguistique. Au départ, on avait modélisé notre réseau. Pardonnez-moi, il y a une petite erreur. Il n'y a pas 4 marraines, mais il y en a 3. Idéalement, ce qu'on aurait voulu, c'est en avoir 4 au tout début du projet, mais malheureusement, on a dû réduire à 3 marraines. Donc, ce qu'on voulait vraiment, c'était de créer tout ce réseau-là, qu'il y ait des pères éducatrices, en fait, dans chacun des milieux de consommation, socialisation, pour vraiment rejoindre chacune des communautés. Donc, en fait, chaque communauté avait son propre réseau multiplicateur, d'informateurs clés, de médias associés à la communauté, d'organismes partenaires et tout. Donc, je ne vais pas citer le nom de chacune des marraines, mais chacune des marraines était associée à un organisme d'accueil. Donc, pour la communauté chinoise étant service à la famille chinoise du Grand Montréal, la communauté haïtienne, la Maison d'Haïti,
la communauté arabophone Concertation Femmes et la communauté d'Asie méridionale, le Centre communautaire des femmes sud-asiatiques. Ces organismes-là nous ont été d'une très grande aide, à la fois parce qu'ils étaient crédibles dans la communauté, c'était des organismes qui étaient très bien implantés, qui ont pu permettre aux marraines d'avoir accès aux femmes des différents milieux, et qui ont eu aussi la gentillesse de mettre en place des lignes téléphoniques de réponse dans les langues des différents groupes ethnoculturels. Donc, les outils adaptés, je pourrais passer des heures à expliquer chacune des affiches parce qu'elles ont vraiment fait l'objet de focus group avec les groupes communautaires pour trouver à la fois le bon visage qui allait, le bon message et comment on allait passer, transmettre l'information. Donc, ça, c'est les posters, les affiches qui ont été faites pour chacune des communautés. On avait également fait des petits cartons pour les pères éducatrices. Nos pères éducatrices étant de différents milieux, ça pouvait être des coiffeuses dans la communauté haïtienne, des esthéticiennes indiennes, qui distribuaient en fait l'information aux femmes qu'elles voyaient quand elles fréquentaient les milieux. Donc c'était un petit aide-mémoire qui était évidemment traduit dans chacune des langues également. On a eu un très grand soutien des médias communautaires, que ce soit des radios ou des journaux des différentes langues à Montréal, qui sont très, très lus ou écoutés. Donc, en fait, ça a été vraiment la façon pour nous de passer les messages adaptés dans les différentes communautés. On avait également des milieux de diffusion, donc des commerces qui étaient fréquentés par les femmes des communautés. Ça pouvait être des épiceries ethniques, ça pouvait être des boucheries halal, entre autres, donc où on distribuait nos documents. Des lieux de culte aussi, que ce soit les mosquées ou les églises, qui ont très bien participé au projet. Et évidemment, on faisait aussi des kiosques dans certains lieux de rassemblement culturel, que ce soit des festivals ou des concerts. Je vais essayer de vous donner un petit peu d'informations brèves pour chacune de nos communautés. Donc, la diapo 34 concerne la communauté chinoise. Donc, à Montréal, il y a à peu près 50 000 Chinois donc qui vivent concentrés soit à Montréal ou à Brossard, qui est en banlieue montréalaise. Il y avait certains quartiers qui étaient très concentrés, notamment le quartier chinois, Verdun, Ville-Saint-Laurent, où on retrouvait les femmes d'origine chinoise. Ce qui est intéressant pour la communauté chinoise, c'est qu'elles ont plusieurs langues orales, que ce soit mandarin ou cantonais, mais une seule langue écrite. Donc, ce qui nous a permis de faire une chronique dans un des journaux de la communauté, donc écrit, mais qui pouvait servir à l'ensemble des participants, en fait, des femmes qu'on voulait rejoindre. Évidemment, il y a eu, comme je l'ai dit, le partenariat avec un organisme du quartier qui nous a aidé à faire des ateliers, des conférences au sein de la communauté. Ce qu'on a appris aussi, qu'on n'aurait jamais appris si on n'avait pas eu la marraine qui provenait de la communauté, c'était l'importance de certaines associations qui sont invisibles, qui n'ont pas nécessairement d'adresse, mais qui sont basées sur les régions d'origine de la Chine, donc des femmes immigrantes. Et on a fait beaucoup de conférences aussi à travers ces différentes associations. Évidemment, tous les commerces fréquentés par les femmes, que ce soit les restaurants, les dépanneurs, les supermarchés d'aliments asiatiques, ont été la cible de nos publicités et puis de nos kiosques. Ce qu'il faut retenir pour la communauté chinoise, je crois que c'était l'importance de la famille et de l'éducation. Donc, une intervention qui a très bien marché, c'était d'aller dans les écoles chinoises le samedi matin, où c'est les grands-mamans, en fait, qui emmènent les enfants pour apprendre la langue. Donc, ça nous permettait de rejoindre justement les grands-mamans et les mamans pour leur parler de mammographie. Et aussi, donc, quelques ateliers dans des églises fréquentées par la communauté. Ce qui a été facilitant, ce que la marraine a remarqué de son travail, c'est que quand les gens, que ce soit les infirmières ou moi qui donnais des ateliers avec la communauté, c'était d'apprendre quelques mots, même si c'était juste dire bonjour ou merci en mandarin, ça facilitait beaucoup le contact avec les femmes. Et évidemment, bon, il y avait toute une autre vision d'aborder la conception de prévention auprès des femmes chinoises aussi qu'il a fallu s'approprier. La communauté haïtienne, c'est une communauté avec une histoire d'immigration qui est très ancienne à Montréal, donc des trois quartiers de concentration principaux. Ce qu'on peut dire, c'est que c'était comme c'est une communauté avec une immigration de longue date, la communauté est très organisée, donc ça a été très facile de travailler avec les ONG et les différents lieux de regroupement de la communauté. C'est une communauté, la communauté haïtienne, qui a beaucoup de spiritualité, donc beaucoup d'agents multiplicatrices dans les églises, entre autres, qui était un très bon passeport pour rejoindre les femmes. L'oralité est très importante dans la langue créole, donc les radios communautaires en créole ont été un bon plan. Ce que je dirais aussi, c'est que la femme dans la famille, ce qu'on appelle le potomita en créole, était quelque chose de très important et on a eu, en fait, à ce niveau-là, un partenaire inespéré, je dirais, qui était une usine textile qui s'appelle Pirelles. Il faut vraiment les remercier de ce qu'ils ont fait.
qui permettait aux femmes qui travaillent dans leur usine de faire leur mammographie sur leur heure de travail. Donc, il nous permettait d'aller faire de l'accompagnement des kiosques dans leur cuisine d'usine et puis de les emmener, en fait, dans l'usine faire leur mammographie sur des heures payées. Donc, et aussi, ce qui a été très aidant, c'est que dans la communauté haïtienne, il y a beaucoup de professionnels de la santé qui sont d'origine haïtienne, que ce soit infirmières ou médecins, et qui sont regroupés en association. Donc, eux aussi ont été un grand support pour la promotion du travail qu'on a fait. Évidemment, qui dit église, qui dit usine, dit aussi flexibilité et souplesse dans les horaires pour les intervenants qui veulent rejoindre cette communauté-là. Ce qui était gagnant, c'était de s'intégrer dans ce qui existait déjà au sein de la communauté. Il y en avait beaucoup, et évidemment, de faire preuve de sensibilité et de savoir s'adapter culturellement. Donc, la communauté arabophone, c'est 22 pays qu'on arrivait à rejoindre parce qu'il y avait une langue commune. Donc, pareil, les radios ont été d'un grand support, les lieux de culte aussi. Donc, tout ce qui a été traduit en arabe a été très bien accepté, notamment dans les cours de francisation et de recherche d'emploi qu'on a essayé aussi de rejoindre les femmes. Pour la communauté d'Asie méridionale, c'était une communauté qui était complexe et très diversifiée parce que c'était plusieurs langues, plusieurs pays, plusieurs régions. On a réussi à avoir quand même des lieux de culte qui se sont associés au projet, notamment des Gurdawara chez les Sikhs. Beaucoup d'interventions dans les différentes langues. Donc là aussi, c'était la notion de prévention qui était différente, de connaître les codes religieux quand on allait dans les différents lieux de culte. Et ce qui était gagnant, c'est d'être accompagné donc d'une personne contact de la communauté pour la confiance. Juste dire que toutes ces interventions détaillées avec les caractéristiques détaillées, les conseils font partie de capsules vidéo qu'on retrouve sur le site web du PQDCS. Donc, ceux qui veulent les visionner, c'est à peu près entre 5 et 6 minutes par communauté où on voit des images de ce qu'on a fait et qui expliquent vraiment les caractéristiques de chacune des communautés. Donc, je vais céder la parole à la personne qui fait la section évaluation, Nathalie. Alors, bonjour, mon nom est Nathalie Pouvoir. Je vais vous présenter les principaux résultats de la section évaluation du projet « Je suis invitée et toi ». Mais avant de débuter, permettez-moi de vous présenter les principaux partisans qui ont collaboré à l'exercice d'évaluation. Alors, je ne pourrais passer sous silence la contribution d'Émilie Soulan, qui a été la grande responsable de ce volet. Elle a été accompagnée et ils nous accompagnent tous encore aujourd'hui. Michel Malot, Anne Landry, Emmanuel Berto, Karima Alouche et Émilie Leblanc qui rapidement ont accepté de contribuer davantage cet été pour nous aider davantage pour l'analyse des données. J'aimerais aussi mentionner que le projet était sous la direction, le volet évaluation était sous la direction de Linda Thibault et moi-même. Linda Thibault étant le médecin conseil responsable du projet Je suis invitée et toi, et qui a été l'initiatrice et qui a assumé un grand leadership dans la planification du projet, dont sa contribution très importante à la planification de l'évaluation. J'aimerais aussi mentionner que les résultats qui sont présentés dans le présent exposé ne sont pas aussi exhaustifs que les résultats que vous trouverez dans le rapport d'évaluation qui sera soumis un peu à l'agence. Alors, je vais débuter par la diapositive page 51. Excusez-moi. Alors, la méthodologie d'évaluation. L'exercice d'évaluation du projet « Je suis invitée et toi » était un exercice d'envergure. Tout simplement parce que le projet financé était d'une grande complexité. Tout d'abord, le projet comportait trois grands volets qui étaient autoportants, mais qui avaient aussi une très grande dépendance les uns envers les autres. Il y avait aussi une diversité des populations telles, comme l'a démontré Anne tout à l'heure. L'autre élément, c'est qu'il y a une multiplicité des partenaires qui étaient engagés tant dans le processus de planification que de déploiement du projet. Il y a aussi différents environnements et contextes qu'on doit considérer pour l'évaluation. Quatre objectifs guidaient l'évaluation. Tout d'abord, rendre compte du processus de déploiement du projet, vérifier l'adéquation entre le projet planifié et celui qui a été mis en œuvre, et mesurer les effets à court et moyen terme.
L'évaluation a été guidée par différentes approches théoriques et une méthodologie mixte. Et comme vous le verrez, l'étude était principalement qualitative, mais a une grande composante quantitative. La collecte et l'analyse des données a été réalisée entre janvier 2016 et août 2015 et a utilisé différents outils, passant du questionnaire auto-administré aux entrevues, l'utilisation de banques de données administratives ainsi que des documents administratifs et financiers qui étaient publiés d'ici. Différentes personnes ou sources d'informations ont été considérées, entre autres la coordonnatrice du projet, les responsables de volet, les marraines à plusieurs reprises, les partenaires, les femmes et les experts. L'analyse a été principalement, l'analyse des outils a été principalement itérative, ce qui fait en sorte qu'on a pu bonifier les outils de collecte subséquents en fonction des informations qui étaient collectées. Alors, on est rendu à la diapo 53. J'aimerais, avant de vous présenter les résultats, revenir sur les 6 grandes questions qui ont guidé le volet mise en œuvre de l'évaluation. La première question était de vérifier s'il y avait des changements qui avaient été apportés au projet, entre le dépôt pour le financement et le démarrage du projet. La deuxième question était de vérifier si les ressources qui avaient été investies dans le projet correspondaient réellement à celles qui étaient prévues. La troisième question visait à vérifier si la gouvernance instaurée dans le cadre du projet avait été maintenue. La quatrième question, qui est celle qui est la plus importante en termes de données descriptives, vérifiait si les activités et les services implantés correspondaient à ceux qui étaient prévus. Finalement, nous souhaitions vérifier si nous avions rejoint la population et quels étaient les obstacles et les facilitants à la mise en œuvre. Je vais répondre très, très rapidement à chacune des questions. Alors, la première qui concerne, est-ce qu'il y a eu des changements, et qui est très importante, est-ce qu'il y a eu des changements entre le projet déposé pour financement et le début du projet? Alors, trois éléments importants sont à mentionner. Tout d'abord, il y a eu une petite diminution de la contribution financière de l'agence qui a entraîné une diminution qui a fait en sorte que les planificateurs du projet ont proposé, en réaction à cette diminution, une diminution des dépenses liées aux ressources humaines, une baisse des investissements en matériel et en équipement, ainsi qu'une diminution des frais associés aux activités de diffusion et de transport. L'autre élément important, c'est que malgré cette diminution des ressources, il y a eu un maintien de l'ensemble des stratégies proposées dans le cadre du projet. Cette décision a obligé un investissement supérieur de la part de la DSP, entraînant des prêts de services beaucoup plus importants provenant entre autres de l'organisation. Finalement, il y a eu un investissement supplémentaire de l'agence dans le volet évaluation qui permet aujourd'hui de déposer les résultats qu'on a pu mesurer en cours de projet. Deuxième question, est-ce que les ressources investies dans le projet correspondent à ce qui était prévu au départ? Je vous dirais, pour répondre succinctement à la question, que non, pas tout à fait. Tout d'abord, les investissements étaient beaucoup plus importants que prévu de la part de la DSP, je l'ai mentionné tout à l'heure. En ce qui concerne les ressources qui nous ont été attribuées par l'agence, eux ont été consacrés tel que convenu à l'embauche d'une coordonnatrice qui s'est concentrée uniquement sur la direction du projet et à l'embauche non pas de 2, mais de 3 marraines. Et nous a permis aussi d'embaucher une variété de consultants et d'experts qui possédaient des expertises très particulières pour les besoins de l'évaluation. Finalement, les partenaires, surtout les partenaires d'accueil qui ont reçu les marraines, ont joué au-delà de des attentes le rôle qu'ils étaient supposés assumer. Troisième question. La gouvernance du projet a-t-elle été maintenue telle que proposée? Selon l'étude du processus, on est en mesure d'observer qu'il y a eu des changements significatifs à la gouvernance. Ceci a permis d'atteindre des améliorations souhaitées par le gestionnaire responsable du projet, entre autres de limiter les paliers de gouvernance, d'alléger la structure du projet, puis de rapprocher la gestionnaire de l'équipe projet. Mais ça a eu aussi des conséquences, entre autres d'attribuer un rôle central à la gestionnaire du service relativement à la gestion financière, humaine et matérielle du projet, de restreindre la mobilisation des partenaires du projet tant à l'interne qu'à l'externe
et de limiter la circulation de l'information des connaissances entre les différents partenaires engagés dans le déploiement de la méthode. La grande question concernant l'adéquation entre les activités et les services qui étaient supposés être implantés et leur planification, bien dans l'ensemble, on peut dire que, et au-delà des attentes, l'ensemble des activités ont été réalisées, malgré que certains ajustements ont été apportés aux échéanciers, mais toujours avec le consentement de l'agence. Des activités n'ont pas été réalisées, mais de manière très minime, par exemple la traduction de lettre d'invitation en divers langues. Toutefois, plusieurs activités ont été ajoutées au plan de travail. Une visioconférence avec des partenaires, des activités de transfert de connaissances, des capsules vidéo, etc. Je vais parler de l'ensemble des activités, mais j'aimerais préciser pour chacun des volets certains éléments clés. Alors, je vous réfère, mais présentement, je suis à la diapositive 57. Alors, on va commencer avec le volet campagne de marketing social. Alors, si on compare le planifié à ce qui a été fait, l'ensemble des activités prévues au plan de travail a été réalisé, à l'exception du plan de communication, puis ça a eu quelques conséquences sur le projet. Les événements majeurs, on avait proposé 3 événements majeurs qui, dans l'ensemble, ont été réalisés, mais sous différentes formes. On avait des grandes attentes à réaliser des activités locales. On ciblait à réaliser 54, mais on a atteint une cible de 1165 activités de tout genre réalisées par les marraines et le niveau régional. Plus précisément, 740 activités touchaient les femmes visées par des kiosques, des séances d'information. On a aussi investi beaucoup d'énergie dans le développement d'outils de communication. En tout, on a envoyé 6371 outils dans différents milieux, dans différentes langues. Au niveau du volet relance spéciale, on a aussi réalisé l'ensemble des activités prévues au plan de travail, qui considérait en quelque sorte le développement des outils, formation du personnel de la SCC qui était notre partenaire principal pour la relance téléphonique et on a réalisé la relance non-répondance, la relance téléphonique et le rappel. Peut-être rapidement, j'aimerais préciser que le volet relance spéciale prévoyait une intervention auprès de 4 groupes. Un premier groupe qui était constitué, qui s'appelait groupe témoin, qui était en quelque sorte un groupe de femmes chez qui on envoyait l'ancien matériel dès la première semaine de relance, qui était en quelque sorte notre groupe témoin à nous. Par la suite, nous avions constitué 3 groupes à qui nous était envoyé le nouveau matériel, la nouvelle lettre, mais pour chacun de ces groupes, un mode de référence était différent, par exemple, le premier groupe recevait uniquement la lettre d'invitation. Le deuxième groupe recevait une lettre et un rappel téléphonique. Et le troisième groupe recevait une lettre et un rappel postal. Vous avez dans le tableau le nombre d'individus d'envoi que nous avons fait. Mais ce qu'il est important de préciser, c'est que nous avons réussi à atteindre les cibles que nous souhaitions, c'est-à-dire de rejoindre 10% de la population admissible par un rappel écrit, d'envoyer à 95% de la population admissible des lettres d'invitation et de contacter de manière téléphonique, on n'a pas atteint notre cible, mais à peu près 40% de notre population cible. Il faut que je fasse attention. Quand je dis 40%, c'est-à-dire que nous avons rejoint par téléphone 40% des femmes ciblées. Mais malheureusement, l'intervention n'a été réalisée au complet qu'auprès de 2,38%, ce qui veut dire que le questionnaire a été complété entièrement auprès de cette population. Alors, je vais passer par-dessus la diapositive 59. Dans le fond, ce qui est important de mentionner, même si je m'y arrêtais pas, c'est qu'on avait mis un effort important à cibler les quartiers défavorisés, malgré que ceci est un peu difficile compte tenu des découpages de territoire. Je vous reviendrai dans la période de questions si vous le souhaitez. Pour les réseaux
certificateur, on a mis en place les réseaux tels qu'on le souhaitait. On a développé plus d'activités en termes de normes, mais aussi en termes de diversité que ce que le projet le proposait. Et sur la diapo, on ne le voit pas, mais il y a toutes les activités médias qui étaient mises de l'avant et qui ont ciblé des médias qui étaient très spécifiques pour les populations visées. On a aussi déployé pour le réseau médicateur plus que ce qu'on le souhaitait de paires éducatrices. Selon notre cible, c'était de 30 à 40 paires éducatrices. On en a formé 214. Ça veut dire des femmes, des hommes qui sont sur le terrain, dans les réseaux des femmes et qui peuvent continuer à promouvoir l'intervention. Alors, je vais me rendre, compte tenu du temps, je vais me rendre directement à la diapositive 62, où on aborde la question des populations. Comme l'a présenté Anne au départ, notre projet, le projet Je suis invitée et toi, visait trois types de femmes différentes. Tout d'abord, on voit l'image, un groupe un peu plus large, plus diversifié, qui étaient les femmes admissibles de faible littératie. Ensuite, les femmes non répondantes depuis moins de 2 ans. Et finalement, les femmes d'immigration récente. Est-ce qu'on a rejoint ces femmes-là? Alors, le premier groupe, c'est-à-dire la diapositive 63, on voit que c'est plus difficile pour l'évaluation d'être précis dans ses estimations. Mais lorsqu'on on regarde les outils de communication qui ont été utilisés, les activités médias, la page web, les efforts qui ont été investis dans la page web, on peut présumer que qu'on a rejoint cette clientèle. Les femmes non répondantes, bien, il y a tout l'envoi des lettres avec le faible nombre de retours postales et notre grande capacité à contacter les femmes en termes de les rejoindre au niveau de leur numéro de téléphone. Finalement, pour tout ce qui touche davantage le réseau multiplicateur, bien, il y a toutes les activités, la réimpression de lettres. La réimpression de lettres est très importante, c'est-à-dire qu'on a réussi à, par l'entremise des marraines, des organismes communautaires ou des pairs, a demandé la réimpression de 103 lettres qui a permis à des femmes de passer un examen de mammographie de dépistage. Il y a tout l'accompagnement aussi en CDD. 109 femmes ont été accompagnées par une marraine pour leur examen, plus les pères éducatrices formées. Faut pas négliger aussi, et je vais rapidement, les membres de la famille, les femmes plus jeunes, l'environnement, les partenaires qui ont participé souvent à ces activités. Les obstacles et les facilitants, ils sont nombreux. J'y reviendrai pas de manière précise, parce que je pense qu'ils sont clairement mentionnés, mais ils sont de 6 selon moi. Premièrement, au niveau de la définition du projet, la structure et le fonctionnement du projet « Je suis invitée et toi sur le terrain », les ressources humaines qui ont été engagées, la qualité des partenaires terrain, la pratique et les aspects techniques du projet. Je passerai directement à l'évaluation des effets compte tenu du temps suivant. Trois grandes questions ont guidé la mesure des effets. Premièrement, est-ce que le projet a produit les effets escomptés? Est-ce qu'il a entraîné des effets non prévus? Et quels sont les facteurs qui peuvent expliquer ces effets? Le premier effet que l'on souhaitait, c'était que les femmes utilisent la lettre d'invitation. Alors, je suis rendue à la diapositive 68. Alors, à ce niveau-là, on peut être fier des résultats qu'on a obtenus. Il faut rappeler que les femmes ciblées par le projet sont des femmes non répondantes qui n'avaient pas répondu peut-être à une première invitation en 2007 ou aux dernières invitations du PQDTS, pour dire aussi qu'elles sont de faible littératie, de population immigrante. Ce qui fait en sorte que, malgré tout, selon nos quatre groupes, vous avez le groupe témoin, lettre uniquement, lettre et rappel téléphonique et lettre et rappel postal, on a des utilisations de la lettre pour passer une mammographie qui est de plus de 50% et dans certains cas de près de 60%. Si on compare avec l'exercice de relance spéciale de 2007, on avait un taux de 34%. La population était clairement différente que celle qu'on visait dans le cadre de notre projet. Alors, on peut être doublement fier de ce résultat.
Celle-ci, je vais passer par-dessus, je reviendrai si on a des questions. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que... Oui, alors on va passer à la diapositive 71. Attends, celle-ci, c'est le moment. Oui, c'est ça. Alors, on va passer à la 70, excusez-moi. Le deuxième objectif qu'on souhaitait, le deuxième changement qu'on souhaitait mettre en œuvre, c'était la fréquentation de la multilingue. Contrairement à ce qu'on pensait lors de la planification, il n'y a pas été possible de créer une deuxième ligne où on aurait pu vraiment observer les effets sur la ligne multilingue. Cependant, lorsqu'on regarde l'activité sur la ligne du CCSR, qui est en quelque sorte liée avec le programme TQDCS, on observe une réelle augmentation du nombre d'appels reçus, tant par la clientèle que des autres appels. On espérait une augmentation de 15%, on a atteint une augmentation de 12%, alors ce qui est quand même significatif. On ne peut pas dire que c'est un effet net, mais on peut présumer que c'est un effet brut. Le troisième effet, c'était une augmentation de la participation au PQDCS en fonction des modalités. Les taux de participation, on croyait qu'il y aurait une différence plus importante entre les différents modes. Alors, notre groupe témoin a un taux de participation de 13,6, alors que les autres varient entre 13 et 9,2 pour le rappel et la lettre. Ce que je dois mentionner, c'est que il y a peut-être un biais au niveau de la ligne téléphonique. Contrairement à ce qu'on espérait, les appels ont été moins longs et le feedback n'a pas été réalisé. Lorsqu'on regarde le temps consacré à cette section du questionnaire, il est de moins de 9 secondes. Alors, il faut quand même présumer que cette partie est peut-être moins significative dans le cadre de l'évaluation. Ensuite, j'irai à la page 72 pour vous rappeler que dans son ensemble, le taux de participation au PQDCS est à Montréal de 49,3 et au Québec de 58. Alors, on est en deçà de le taux de participation de l'ensemble de la province. Toutefois, lorsqu'on regarde, on met les deux droites, on compare les deux droites, on se rend compte que le Québec a une croissance qui est quand même assez régulière, alors que Montréal a une croissance avec deux grands sauts, qui correspondent en quelque sorte à la période des deux relances spéciales qui ont été réalisées. Je vais passer à la diapositive 75. Alors, ce que j'aimerais vous faire remarquer, lorsqu'on regarde le taux de participation au PQDCS selon l'indice de défavorisation, on se rend compte que le taux de participation pour les femmes qui sont dites plus défavorisées est toujours sous les courbes des deux autres groupes, mais demeure quand même assez, conserve quand même la même tendance. Ce qu'on peut remarquer, cependant, c'est qu'il y a quand même des taux pour qui correspondent aux périodes de relance. Et il est possible de voir aussi que pour la population un peu plus favorisée, il y aurait une augmentation peut-être due au projet, surtout au niveau des années 2013 et 2014, en raison des activités qui ciblaient l'ensemble de la population. Ceci, il faut mentionner que ce n'est pas des effets nets, ce sont des effets bruts parce que rappelons que le projet s'est déroulé en fin de schéma ici, c'est-à-dire seulement à partir de la relance et les activités à partir de 2013-2014. Est-ce que le projet produit des résultats non prévus? Oui, naturellement, plusieurs cibles ont été atteintes qui n'étaient pas définies en quelque sorte dans le projet initial. Tout d'abord, on a développé des connaissances, des compétences organisationnelle et individuelle de manière importante sur différentes problématiques. On a amélioré aussi les pratiques de la DSP ainsi que ses partenaires, tant au niveau du développement et l'intégration de plusieurs outils adaptés, l'amélioration de connaissances et de compétences, puis le partage et le transfert des connaissances produites. Puis on a aussi investi de manière massive dans les facteurs de soutien et de renforcement à la participation des femmes. On a identifié des résultats tangibles dans les focus groupes, surtout lorsque les femmes nous ont parlé de leur niveau de connaissance qui était plus grand, de leur reconnaissance du PQDCS,
et de leurs attitudes et intentions qui étaient beaucoup plus positives qu'avant. Quels sont les facteurs qui peuvent expliquer les résultats observés? Il y en a plusieurs, si je me limite à ceux qui sont les plus significatifs. Tout d'abord, la qualité du projet défini et planifié, l'expertise, l'engagement et la stabilité de l'équipe responsable du projet au sein de l'organisation. Il ne faut pas oublier que la DSP a misé sur son équipe PQDCS et a embauché une partie de personnes qui l'ont appuyé dans le développement du projet. Mais pour l'équipe PQDCS, il y a eu une contribution très, très importante. Il y a les ressources financières et humaines qui ont été investies dans le projet. Il y a la confiance, la crédibilité et l'ouverture des participants. Il y a eu le consensus aussi relativement à l'intérêt et à la pertinence du projet. Et naturellement, la connaissance, la sensibilité et le fait que les marraines aient appartenu à la communauté culturelle. Le projet s'est déployé tel que convenu, selon l'équipe d'évaluation, mais a clairement nécessité un investissement plus significatif que prévu de la part de la DSP. Le projet a entraîné différents effets, tant au niveau des individus, des professionnels, des organisations, des changements sur l'offre de services, une amélioration de la pratique auprès des populations nouvellement immigrantes de faible littératie. Au niveau des partenaires, au niveau de l'environnement et l'entourage des femmes, on a vu des changements, ainsi que sur la population dans son enfance. Il y a tout de même des enjeux importants à considérer. Tout d'abord, que le projet s'est développé dans une organisation, dans deux types d'organisations, je devrais dire la DSP et les partenaires d'accueil. Il y a des enjeux individuels importants qu'il faut considérer, l'expertise, les compétences, les valeurs et la motivation des participants. Il y a tout l'aspect partenarial, la dynamique, les intérêts et l'historique qui ont ponctué en quelque sorte le déploiement, mais aussi les effets. Tout ce qui concerne le contexte et l'environnement, on ne doit pas négliger le fait que la DSP était dans une reconfiguration du réseau, qu'il y avait un découpage territorial qui ne concordait pas toujours avec les réalités, les réalités culturelles et ethniques. Et finalement, la population ciblée demeurait quand même une population avec un statut d'immigration récent, plusieurs langues, une culture, des religions, des facteurs en quelque sorte qui nécessitaient une intervention ciblée et importante. Je laisse la parole maintenant à Mireille pour conclure la séance. Donc, écoutez, moi, je vais essayer de vous faire une vue très macroscopique du projet en tant que gestionnaire. J'ai été là depuis le début du projet. J'ai eu l'occasion même de participer à la demande de subvention. Donc, ça fait plus que 3 ans que je vois ce projet-là évoluer. Donc, je vais vous présenter des apprentissages très généraux en 3 catégories. D'abord, qu'est-ce qu'on a fait comme apprentissage sur les cibles de notre projet, le point A. Le point B, en termes de gestion de projet et de processus. Et en catégorie C, qu'on a appris pour la mise en œuvre. Donc, je suis à la diapositive 79 là, et suivante. Donc, d'abord, ce qu'on a réalisé qui était efficace, et les gens vous en ont déjà présenté plusieurs exemples, c'est qu'on avait vraiment un besoin de s'inscrire dans les activités existantes, dans nos réseaux multiplicateurs, mais aussi de créer des nouvelles occasions d'activités et des activités régionales et locales. On a sous-estimé un élément. Dans notre plan initial de projet, on n'avait même pas prévu faire des focus groups. Et finalement, ça a été un facteur incontournable dans le projet. On a passé beaucoup de temps à adapter les outils et les femmes ont donné un feedback exceptionnel sur leur compréhension du matériel. Donc, on a réinvesti des argents du projet qui étaient initialement prévus pour imprimer du matériel écrit pour faire des focus groups et ça a été un investissement très judicieux. Par la suite, on était parti avec le souhait de réutiliser plusieurs médias, donc des médias traditionnels comme la radio, mais aussi des médias sociaux, et on a été très surpris de se rendre compte qu'il y avait possibilité de faire du placement média, admettons, dans Facebook pour les femmes de 50 à 69 ans. Elles consultent Facebook pour leur famille, rejoindre leurs amis. Donc, ce qu'on a fait comme investissement sur le web avec nos partenaires aussi a été gagnant, contrairement à la logique que ceci rendait le fait que les femmes ne pouvaient pas rejoindre, donc on a utilisé le site web en complément.
Je vais aller tout de suite sur les bons coups là à la fin de la diapositive. Donc, ce qui a été dans les bons coups à reproduire, on a embauché des marraines des communautés culturelles visées. Ça a été un processus qui a été long au départ parce qu'on devait faire appel aux procédures existantes de ressources humaines, mais ça a été fort riche et ça a été le point tournant sans lequel le projet n'aurait pas pu se réaliser. On a aussi eu à faire recours à des spécialistes externes pour animer les focus groups. On a eu la chance d'avoir une experte en littératie à même l'organisation pour nous aider à adapter les outils. Donc ça fait partie de nos bons coups dans le cadre du projet. Si on avait à refaire différemment, c'est sûr qu'on a eu beaucoup de partenariats à établir au départ du projet, des ententes de services à conclure. Et on a passé beaucoup d'énergie sur la révision des outils papier. Entre autres, on a eu affaire avec une firme de communication externe qui révisait nos outils, notre matériel, et on a passé beaucoup d'énergie à imprimer les outils, à distribuer les outils, et ce qu'on a appris, c'est qu'à terme, il fallait aussi penser la stratégie pour pouvoir redistribuer à nouveau tous les outils mis à jour, et aussi passer l'énergie à construire le lien entre tous les partenaires et un lien durable dans le temps. Je vais y revenir dans la étape suivante. Donc, par rapport à la gestion du projet, donc je suis à la diapositive 81, je vous dirais que c'est dans les processus du projet qu'on a appris beaucoup. On a appris beaucoup comme équipe. L'équipe d'ADSP, on était une équipe interdisciplinaire, on avait des médecins, des infirmières, des agents d'information, des agents de recherche, des administratives et beaucoup de différentes personnes qui ont été impliquées. Ce qu'on a appris, nous, c'est de travailler d'abord ensemble, mais c'est aussi nous de travailler dans une équipe plus large avec des partenaires, des organismes communautaires et des marraines de provenance de d'autres communautés culturelles, dont nous-mêmes, dans nos façons de travailler, il y avait des rencontres qui se faisaient chaque semaine, au moins 3 heures par semaine dans le cadre du projet étaient consacrées à des rencontres. Il fallait apprendre à travailler ensemble, nous-mêmes, avec les valeurs, les façons de communiquer, les façons de travailler ensemble et les façons de se respecter. Même moi, comme gestionnaire, j'ai eu à m'adapter dans mes façons d'intervenir et de travailler avec des gens de d'autres communautés. En tant que gestionnaire du projet, avec le journal de bord, on s'est rendu compte qu'au départ, mon rôle à moi n'avait même pas été calculé dans la nature in-kind et j'ai consacré minimum une journée par semaine, en général, je dirais, dans le projet pendant les périodes de pointe. Donc, ça a été beaucoup plus exigeant que prévu, mais je tiens aussi à souligner que tout le monde de l'équipe a mis beaucoup, beaucoup de temps, ce qui fait qu'à un certain moment donné, ce n'était plus un projet et l'équipe, mais plutôt le projet de l'équipe et de tout le monde qui faisait partie de notre réalité. Donc, on a eu à faire beaucoup de souplesse et d'ajustement. Par exemple, quand on faisait affaire avec des partenaires, des organismes communautaires pour des activités un samedi, il fallait embaucher des bénévoles, il fallait trouver des gens pour installer les tentes, les salles, etc. Et on a eu beaucoup, beaucoup d'ajustements dans nos horaires et dans nos modalités administratives. Si j'avais à refaire différemment ce projet-là, c'est certain qu'on n'aurait pas privilégié de faire affaire avec une firme externe et d'un appel d'offres public pour aller chercher une firme de communication externe. Ils ont bien travaillé avec nous. Par contre, les enjeux et la complexité du réseau de la santé, avec toutes nos normes, nos balises visuelles, toutes les normes de couleurs et tout ça qu'il fallait respecter, ont été un peu un frein à leur créativité. Et à partir de ce moment-là, ça a été très difficile, les ajustements multiples dans les produits. Ce qu'on referait différemment aussi, c'est que l'argent, nous, au niveau budgétaire, était géré par une organisation physiquement différente de nous. Donc, il y avait de multiples téléphones et des liens avec des gens des finances ailleurs qui nous amenaient aussi un processus de gestion budgétaire et de réduction de comptes plus lourd. Dans nos bons coups, par contre, en gestion de projet, c'est qu'on était très souple et on a désigné et on a libéré un chargé de projet à temps complet, mais je ne l'ai pas écrit, mais on aurait dû le mettre là. On a aussi légitimé que les gens puissent participer au projet dans le cadre de leur travail. Donc, la contribution nature de tous les gens de l'équipe PQDSS, ça a été aussi dans nos bons coups dans les processus. Finalement, si on regarde les apprentissages sur la mise en œuvre, la pérennité, le transfert, on a mis beaucoup d'efforts pour réaliser les livrables du plan de travail. Pour ceux qui sont intéressés, dans le rapport final, on a une liste détaillée. On a mis beaucoup de temps à documenter nos activités du projet dans les journaux de bord, dans des rapports, des annexes.
pour la pérennité. Et déjà, on a communiqué et partagé tous nos outils à travers différentes régions au Québec et à travers aussi d'autres partenaires communautaires qui nous ont téléphoné. Ce qui est venu changer beaucoup le projet, c'est l'impact majeur de du projet de loi 10 qui est arrivé en septembre 2014 au Québec. Donc, la loi 10 a prévu l'abolition des agences régionales de santé et des centres de santé et services sociaux, donc l'abolition du palier régional pour créer des centres intégrés de santé universitaires de santé. Donc, notre équipe à nous s'est vue aussi du même coup amputée de coupures budgétaires d'environ 30 % en santé publique. Donc, des personnes de nos équipes à nous ont dû, leur poste a été aboli, ont dû quitter. Et ce que ça a changé aussi, c'est que nos partenaires du réseau de la santé, on avait envisagé avec eux une poursuite du projet et un rayonnement avec des infirmières en poste dans des centres de santé, et toute cette structure-là était aussi chamboulée. Donc, ajustement requis pour que le projet soit pérenne et s'intègre dans une nouvelle réalité au Québec de fonctionnement totalement différent. On a eu, comme on a dit tout à l'heure, beaucoup de travail à faire dans l'évaluation et on a eu plusieurs arrivées et départs. Vous avez, sur la 782, déjà, en cours du projet, on a fait beaucoup de séances de transfert. On a informé aussi les autres régions du Québec. Il y a déjà 3 autres régions qui utilisent les canevas de notre lettre d'invitation et qui utilisent les pictogrammes, et il y a d'autres développements qui s'en viennent. Un des bons coups qu'on a fait, c'est de s'arrimer, en fait, tous les établissements de santé ensemble. Quand on a commencé, on a fait appel aux gestionnaires des centres de santé et services sociaux pour que tout le monde travaille et mette l'énergie sur les mêmes communautés. On avait tous le souhait de travailler sur les inégalités de santé. On a mis toutes nos énergies pour des projets spéciaux pour toucher ces communautés-là spécifiquement. Donc, on a travaillé de près avec les infirmières des C3S et les gestionnaires. De l'autre côté, il est certain que quand un projet fonctionne avec un ajout de ressources, quand les personnes ressources comme les marraines ont terminé leur projet, le financement était terminé aussi, on devait continuer à travailler, à développer les réseaux. Mais là, il faut travailler à continuer de le faire. C'est certain que c'est une intensité moindre, parce que si on avait 3 personnes à temps complet et que là, les personnes ne sont plus là, on veut continuer à faire vivre les réseaux. Mais on est en train de travailler pour faire en sorte qu'avec chaque organisme partenaire du projet, une entente soit resignée à nouveau pour le maintien du projet avec un certain montant de financement qu'on a trouvé d'un autre source. Donc, à la diapo 83, en gros, la conclusion, c'est que nous, c'était un projet de grande envergure sur plusieurs mois qui était très mobilisant pour l'interne et les partenaires. On a eu beaucoup d'appels de partenaires des communautés. Dans une visée commune d'agir, on a fait des produits adaptés qui sont tous maintenant intégrés à nos pratiques courantes. Le projet se poursuit et on continue les apprentissages. Donc, ce que j'aimerais aussi dire, c'est en profiter pour dire que tous les outils sur le projet sont disponibles sur le site web que vous voyez, la diapo 84. Les outils pour les professionnels de la santé sont disponibles dans toutes les langues. Tout le monde peut les utiliser à leurs propres fins et les adapter aux besoins. Et c'est certain que nous, ce qui est important, c'est qu'on a travaillé avec beaucoup de partenaires. Donc, c'est sûr qu'on a des remerciements à faire à l'équipe de l'Agence de la santé publique du Canada qui nous a permis de travailler auprès des femmes, auprès de la Société canadienne du cancer, tous les organismes qui ont été partenaires du projet, les centres de santé et services sociaux de Montréal, les infirmières PQDCS, et nommer chacun individuellement serait trop long, mais on a eu beaucoup, beaucoup de partenaires sans qui le projet n'aurait pas eu l'impact qu'il a. Donc, on est très contents et voilà, merci à tout le monde. Donc, merci beaucoup, c'est Brigitte. Merci beaucoup à toutes trois. Une présentation très, très intéressante et on réalise qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de travail. Je vais procéder tout de suite aux questions. Nous en avons déjà quelques-unes. Alors, si peut-être les réponses peuvent être brèves, mais on a 15 minutes maximum. Donc, on nous demande de nous dire, de nous parler un peu de comment le projet va être durable ou la pérennité du projet. Vous en avez touché un peu, Mireille, à cet aspect. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu? C'est une question de Jordan. Oui, en fait, c'est certain que le projet continue. Nous, on veut continuer à travailler les communautés qui étaient là. Les réseaux multiplicateurs, dans le fond, on souhaite les garder actifs. Les lignes de réponse téléphonique multilingue sont aussi encore active, donc elle se continue, et c'est certain que l'intensité a été diminuée.
notre défi, c'est de voir comment on peut continuer à être actif et aller peut-être dans d'autres communautés culturelles. Et d'autres personnes nous ont aussi demandé d'aller traiter d'autres thèmes de santé. Par exemple, notre réseau multiplicateur pour les femmes de la communauté haïtienne. Est-ce qu'on peut s'en servir pour aller leur parler d'un autre problème de santé comme la vaccination? Donc, on en est dans ce genre de réflexion-là. Mais étant donné que le projet est ancré dans les pratiques du programme québécois dont on a la gestion, tout ce qui a été fait se perdure à l'intérieur même du programme. D'accord, merci. Je passe à une autre question également. Est-ce que la stratégie principale était d'envoyer des lettres aux femmes ou d'éduquer par les pères ou de passer par une stratégie d'éducation par les pères? Ben, je crois que vous pouvez peut-être répondre qu'en effet, c'était une approche multistratégique, mais je vous laisse parler sur ça. Ben, en fait, le programme en tant que tel envoyait déjà des lettres. Donc, quand on parle de justement du projet, c'était d'ajouter à ça tout ce qui était la nouvelle lettre, en fait, qui était plus simple à comprendre, et d'ajouter aussi tout ce qui était les pères éducatrices. Donc, c'était double information. C'est à la fois recevoir la lettre, mais avoir le soutien pour la comprendre. Donc, c'est un peu des deux, parce que le programme déjà envoyait des lettres à la base. Ça a été bonifié par les autres interventions des autres stratégies du projet. Donc, merci. J'ai une autre question de Brooke qui demande si... si vous pouvez élaborer sur le soutien de la Société canadienne du cancer au sein du projet. Quel était son rôle, son soutien? En fait, vraiment, leur soutien, on le sait, ils ont l'expertise dans comment aborder les personnes relativement au cancer. Donc, en fait, leur expertise a surtout été en appel téléphonique. Donc, c'est eux qui faisaient l'appel suite à la lettre. Donc, c'était deux infirmières, en fait, qui avaient été engagées pour parler aux femmes. Donc, ça a été un gros soutien parce qu'ils nous ont quand même aussi aidé à développer la formation par rapport à tout ça. D'accord, merci. J'ai une autre question de Brooke qui demande s'il va y avoir un rapport sur les lettres ou sur l'ensemble du projet en anglais. Ben, en fait, tout le matériel est disponible en anglais, comme on l'a dit, sur le site web. Donc, les lettres sont aussi traduites en anglais, elles y sont. Le rapport est en cours d'être terminé de rédaction et puis il sera envoyé, c'est sûr qu'il sera en français, mais il sera envoyé aussi donc à Brigitte et à l'Agence de santé publique du Canada. Oui. Donc, je peux peut-être répondre à Brooke. Là, il y a beaucoup des outils qui sont disponibles en anglais. Le rapport final du projet comme tel est en français, mais s'il y a un intérêt à avoir les points saillants du projet, on pourra certainement considérer peut-être rédiger un court quelques pages, faire traduire un court quelques pages en anglais. Peut-être que vous pourriez nous envoyer cette demande directement et ça nous fera plaisir d'en discuter avec vous. J'ai une autre question de Laurence qui demande, est-ce que je comprends que le taux de participation n'a pas augmenté significativement malgré les lettres de relance et les appels téléphoniques? Les diapositives sur les chiffres ne sont pas tout à fait claires en ce sens. Alors, ce serait apprécié si vous pouvez clarifier ça, s'il vous plaît. Oui, alors c'est certain qu'il y a plusieurs éléments de détail qu'on doit préciser, qui sont précisés dans le rapport. Je peux pas prendre le temps de le faire ici avec vous ce midi, mais il y a une augmentation. Ce qu'on remarque, c'est qu'il y a une augmentation sur le taux de participation des femmes au PQDCS. Ça, c'est un effet brut. Alors, on ne peut pas dire que cette augmentation est due uniquement au projet. On ne peut pas le dire parce que les femmes, notre projet ciblait principalement les femmes qui étaient des non-répondantes et qui étaient dans des quartiers un peu plus défavorisés et ciblés qui étaient davantage touchées par l'immigration récente, la faible littératie, des conditions économiques défavorisées. Ça représente une petite partie des femmes qui participent habituellement au PQDCS. La deuxième chose, c'est que l'autre chose que je devrais mentionner, c'est qu'au niveau de l'intervention, Anne a précisé tout à l'heure qu'il y avait trois grands volets au projet Je suis invitée et toi. Ces trois volets étaient
dépendants dans leur nature d'intervention, indépendants, différents, je devrais dire, mais ils touchaient l'ensemble de la population en partie ou en totalité. Alors, il y a peut-être eu de la contamination. Alors, il est impossible pour l'équipe d'évaluation d'isoler les effets de chacune des modes de référence, de consultation des femmes. L'autre chose que j'aimerais mentionner, qui est précisée dans le rapport, c'est que, en ce qui concerne l'appel téléphonique, dans la littérature, on sait très bien que le mode de contact par téléphone peut entraîner des effets plus grands sur le taux de participation qu'une simple lettre d'invitation, par exemple. Dans notre cas, on ne peut pas présumer que l'appel téléphonique a réellement correspondu à une intervention appel téléphonique visant l'invitation d'une femme. C'est-à-dire que les appels, selon les données qu'on a colligées, les appels ont été d'une durée trop courte et n'ont peut-être pas ciblé l'invitation des femmes, mais plutôt les connaître. Je vais arrêter là parce que je prends beaucoup de temps, mais je vous invite à consulter le rapport parce qu'il y a des nuances très, très importantes sur l'augmentation ou non du taux de participation auprès de cette clientèle précise. Je vais laisser la parole et excusez-moi, mais je vais transférer le casque d'écoute à Anne qui semble avoir une précision à apporter. Je veux juste ajouter par rapport au taux de participation, on l'a vu tout à l'heure dans les deux courbes. Ce qui est important de souligner, c'est que la courbe en fait d'augmentation du Québec semble stagner depuis les dernières années, ce qui était un peu le cas à Montréal aussi. On a même vu des petites périodes où on descendait. Vraiment, durant la durée du projet, en fait, on a eu une augmentation qui est assez substantielle de presque 3% en fait pour Montréal. Donc, on peut se dire en tout cas que le projet a sûrement influencé cette augmentation-là qui a pas eu lieu ailleurs au Québec. Hein. Merci beaucoup. Alors, c'est Brigitte, je vais prendre une dernière question parce que je crois que nous devons se réserver le une minute ou quelque chose comme ça à la fin pour clore le webinaire. J'ai une question qui est particulièrement à la de Brandeed, à la diapo 84, qui on me demande en anglais d'expliquer les mots. En français, les mots, le moyen le plus efficace, le plus sûr pour trouver un cancer du sein, plus sûr qui a été traduit en anglais « safest », qui est peut-être pas la meilleure traduction, mais alors on me demande de dire, bon, plus sûr comparé à quoi? Alors, quand on dit cet énoncé, c'est par rapport à quelle autre méthode peut-être ou... Ben, en fait, on faisait référence à l'examen clinique fait par les médecins et à l'auto-examen fait par les patients. Donc, on sait que pour dépister un cancer de façon précoce, très tôt, il n'y a que la mammographie, en fait, qui permet de voir les plus petites lésions. Donc, un examen clinique ou un auto-examen des seins va découvrir des lésions qui sont beaucoup plus grosses, donc à un stade moins précoce que la mammographie. D'accord, merci. Alors, ceci, je n'ai pas d'autres questions. Je ne sais pas si vous avez des commentaires. Je remercie les trois conférencières, mais est-ce que vous auriez un mot de clôture avant que je passe la parole à Bill? Peut-être juste dire que c'est, je pense que vous l'avez vu, on aurait pu parler de ce projet-là pendant tout l'après-midi. Donc, on s'excuse si on n'a pas pu répondre nécessairement à toutes les questions parce qu'il a fallu vraiment résumer et abréger ce qui a été fait. Mais c'est un projet qui a duré 3 ans, donc où il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui ont été faites qui malheureusement peut-être ne ressortent pas dans la présentation, mais on sera ouvert si vous voulez envoyer un courriel à répondre à vos questions. D'accord, puis je vous remercie beaucoup. Puis j'ai une dernière petite question aussi. Est-ce qu'on peut tenir la présentation pour le présenter à mes collègues ayant participé au projet de relance téléphonique? Alors, une question de Lynn. Peut-être que je ne sais pas si vous êtes d'accord peut-être on va attendre le projet, le rapport final soit rentré, réviser un peu la présentation, s'assurer que tout est correct avant peut-être de le partager, mais je vous laisse peut-être vous prononcer là-dessus.
Oui, mais elle peut nous rejoindre, elle peut rejoindre l'équipe PQDCS, ça nous fera plaisir de lui donner, puis on la mettra probablement en ligne aussi. Il y a déjà une autre présentation PowerPoint qu'on avait fait sur les réseaux qui se retrouve sur le site web, donc on la mettra dans cette section-là aussi sur le site web. D'accord, c'est bien gentil. Alors, écoutez, un gros merci à vous trois, Anne, Nathalie et Mireille, pour cette excellente présentation. Et puis, je passe la parole à Bill. Merci. Oui, merci, Brigitte. Je voudrais simplement fermer le webinaire par encore remercier tous nos participants pour rejoindre. Je voudrais également remercier nos présentateurs, Anne, Nathalie et Mireille, pour leur présentation très intéressante, vraiment excellente. Notre modératrice, Brigitte, bien sûr, pour nous garder à temps, c'est très important, et pour modérer les questions et les discussions. Et aussi l'équipe de planification derrière ce webinaire à l'Agence de la santé publique du Canada et la Direction de, régionale de santé publique de Montréal. Et finalement, bien sûr, un grand merci à chacun de nos traducteurs. Très bien fait. Et avec ça, je vous dis merci à vous tous et bon après-midi. Merci.